We had planned our entire trip around coming to the Louvre because we are huge art lovers. And we were planning on spending a whole day, so we had to find something to do on Monday and decided to try to move the Louvre visit to Wednesday. And because we did that, we had to change our Van Gogh exhibit, which we had already paid for and we were actually looking forward to. So it's just kind of messed us all up. And if we don't get in today, we won't have any time to get in because we actually leave tomorrow. So it's just kind of messed us all up. Le 2 mai 2019, au Louvre, il y a eu plus de 76 000 visiteurs. Donc ça se traduit dans les salles par un encombrement tel que nos missions ne peuvent plus être exercées dans de bonnes conditions. Et surtout les visiteurs, c'est le cœur de notre métier, ne peuvent plus visiter cet établissement et avoir accès aux œuvres de cet établissement dans les meilleures conditions. La Joconde se situe dans une salle qui s'appelle la salle des États et où actuellement ont lieu un certain nombre de travaux, ce qui rajoute en plus des difficultés de visite. Concrètement, les visiteurs n'ont quelques minutes, voire quelques secondes parfois, simplement pour d'un coup d'œil observer ce tableau qui mériterait bien plus d'attention. Donc il y a bien à un moment donné une réflexion à avoir sur le seuil du nombre de visiteurs au-delà duquel il est impossible de continuer à travailler dans des conditions dignes et au-delà duquel les visiteurs ne peuvent plus accéder aux œuvres de ce musée.